cuisine de Sally Cook. Aujourd'hui, nous allons préparer des lentilles. Donc, vous aurez besoin d'un kilo de lentilles que vous aurez préalablement trempées la veille dans de l'eau froide et dans du sel. Enfin, de l'eau salée, pardon. Et puis ensuite, vous allez les cuire une première fois, pas trop longtemps, juste une première ébullition. Puis ensuite, vous les laissez refroidir. Vous aurez besoin d'un peu de viande. Donc moi j'ai pris de la viande hachée. Vous pouvez prendre de la viande de poulet, enfin la viande que vous aimez en petits morceaux. Dans une marmite, vous mettrez deux tomates que vous aurez concassées avec la peau. Vous aurez besoin aussi de deux oignons moyens que vous aurez également hachés finement. Une cuillère à soupe de concentré de tomate. Pour les épices, donc une cuillère à café de paprika doux, une cuillère à café de curcuma, une cuillère à café de cumin, une demi-cuillère à café de gingembre, des herbes de Provence, du sel, du poivre. On va commencer par cuire nos oignons et notre tomate avec un peu d'huile d'olive, le temps que la tomate et les oignons soient un peu, blondissent un peu. Et je reviens vers vous. Alors, je suis désolée, je croyais que ça enregistrait et en fait non. En fait, lorsque mes tomates et mes oignons ont cuit, j'ai rajouté donc 1 litre d'eau froide. J'ai rajouté mes lentilles, ma viande, mes épices, une cuillère à soupe de concentré de tomate et du persil haché. Oui, voilà ce que ça donne. Je vais couvrir. Et je vais mettre à cuire pendant 30 à 40 Et en minutes. cours de cuisson, j'ai rajouté un demi-litre d'eau. Donc voilà le résultat après 30 minutes, 30 à 40 minutes de cuisson. Voilà, elles sont très très bonnes, je vous les conseille. C'est comme ça que mes enfants les préfèrent. Eh bien, merci de liker, de partager et à bientôt pour une nouvelle recette. À bientôt.